Je m'appelle Olivier Laurent, je suis en GAEC avec trois associés à Mirbel, polyculture élevage sur le secteur barois. Ça fait 4 ans qu'on fait cette culture-là. C'est pour revenir en substitution par rapport à l'ensilage de prairies naturelles. Le but de faire cette culture-là, c'est d'avoir une autonomie alimentaire pour complémenter le maïs, pour avoir une autonomie alimentaire sur les terres superficielles à potentiel limité. On a mis en place un mélange critical, pois, vess, qui a donné satisfaction dès la première année. Et la moyenne des rendements qu'on a fait sur les 4 ans, on avoisine les 10 tonnes de matière sèche. Ce qui est bien par rapport aux terres limitées qu'on a. Les 10 tonnes de matière sèche qu'on fait en rendement à l'hectare permet de complémenter la ration de base. L'ensilage de maïs à 80% et le reste on met en métail. Et le fait de mettre du métail apporte un plus au niveau de la fibre. L'ensilage est fibreux et il y a moins d'acidose au niveau de la ration. On anticipe une date de semis assez tardive. On sème pas avant le 20 octobre. Déjà pour éviter que les pois soient trop développés avant l'hiver pour éviter le gel. Et au niveau des herbages, on fait rien après. Zéro désherbage. Et au niveau azote, le fait de mélanger une céréale avec des protéagineux et légumineuses, on est au maxi à 80 unités d'azote. Pour comparer un maïs, on est 160 unités. Les objectifs, c'était d'avoir un produit riche, équivalent presque au maïs, avec un peu plus de protéines, ramener de la protéine par les pois, par les vesses, par les protéagineux et les légumineuses qu'on met dans le mélange. On a fait des calculs par rapport à un maïs, on arrive à diviser les charges par deux, tout en ayant un rendement de 10 tonnes de matière sèche à l'hectare. Sachant qu'on mettrait un maïs, on n'aurait pas plus. Au bout de 4 ans, si on reste toujours sur entre 9 et 12 tonnes de matière sèche, on continuera l'expérience.